Alors, une de mes séries favorites dans l'exposition, c'est la série qui est juste derrière moi, qui a été réalisée par Shomei Tomatsu lors des manifestations étudiantes qui ont eu lieu en 1969 dans le quartier Shinjuku à Tokyo. Et je trouve ces images extrêmement puissantes. On a l'impression d'être au cœur de l'événement. Elles sont pleines de mouvements, pleines de chaos. Elles frôlent parfois même l'abstraction. Et en ça, c'est d'une certaine façon le génie de Tomatsu qu'on voit dans les images, puisqu'en fait, c'est l'un des premiers photographes japonais à avoir remis en question les notions de subjectivité, d'objectivité, l'idée de preuve aussi par l'image, puisque là, on est dans un regard extrêmement frontal, impressionniste, chaotique, et donc on est au plus près de l'expérience de l'événement.